Bonne chance. Leïla, on est tous derrière toi, on te soutient et je suis sûre que tu vas tout déchirer. C'est vraiment celle qui mérite de gagner, t'as une super voix, une super présence. Garde ton style surtout, moi je croise les doigts en tout cas. Leïla, t'es la meilleure. Mais là, nous sommes fiers d'avoir une Bourbarienne en finale et puis on compte beaucoup sur toi. Tous les Bourbariens sont avec toi. Leïla, on compte sur toi pour la finale. Ouais, tu es tout pour moi, vas-y, n'oublie jamais tes racines, n'oublie pas Ben, n'oublie pas le Ourdi, n'oublie pas la vallée du Dadès, on est là pour toi. Chante, chante, sois belle, sois grande, vas-y. On est tous avec toi et on est tous derrière toi, toute la Bretagne, toute la France est avec toi, Leïla. Je te souhaite, Malili, beaucoup de courage et puis le meilleur de toi-même, donne toute ton énergie et toute la confiance que tu as en toi pour parfaitement réussir cette dernière étape. Leïla, vas-y, vas-y Leïla, tu peux le faire Leïla. De cette saison de Nouvelle Star, le moment est donc important. Et on finit avec un ciel tout bleu. On finit en beauté avec 4 bleus pour Leïla. André, Leïla, votre... C'est un très très joli point d'orgue. Surtout sur ton parcours à toi, mais aussi, je sais pas, sur cette saison. C'était une très jolie manière. C'est la dernière chanson.
du Prime, enfin de voilà, de cette saison. J'ai un tout petit peu envie de pleurer, mais non, mais juste, tu l'as fait avec avec cette espèce de grâce touchante, avec ton phrasé à toi, c'est ton émotion à toi, tu l'as revisité, ça fait du bien, voilà, c'est tout, c'est ça, tu sais, les chanteurs. C'est Leïla, des... accompagnée par Karen au violon, que dis-je. Vous voulez ajouter un mot, ça vous ferait plaisir, cher André? Mais oui, je voudrais juste dire que voilà, la fonction d'un chanteur, c'est une fonction qui est sacrée, qui est une, je rigole pas là, qui est une fonction très très haute. C'est des gens qui font du bien, qui nous guérissent de tous nos petits malheurs de tous les jours. Et c'est un petit peu des médecins chinois, des chamans, des danseurs cosmiques. Et je trouve qu'elle fait joliment partie de cette tribu-là. Vous avez l'impression d'avoir été guéri aussi, Philippe, ce soir? Alors, oui, elle a choisi une chanson de Julia Clerc. Alors, que dire sur Julia Clerc qui n'aurait déjà été dit mieux et ailleurs? On ne va pas, même pas essayer. Par contre, l'interprétation de Leïla était assez bouleversante. Et c'est vrai qu'il y avait une qualité star. Il y avait quelque chose en plus par rapport à... Quand on mesurait ses débuts à la Nouvelle Star et ce qu'elle fait dans la dernière émission... Il y a quelque chose d'assez formellement extravagant. Ça rappelle cette phrase de Belmondo dans À bout de souffle. Quelle est votre ambition dans la vie? Devenir immortel et mourir. Voilà, ben c'est un beau destin pour un chanteur, devenir immortel et mourir après. Mais là, ce soir, t'as frôlé. Bravo, Leïla. C'est vrai, il faut le dire, hein, progression remarquable de Leïla au cours des primes. Sinclair. C'est vrai que dans cette interprétation, il y avait quelque chose de juste, de sensible. Un peu comme avant une rupture. Les gens, avant de se quitter, ils font très bien l'amour, souvent. C'est dit. Alors, pour conclure... Tu as très bien fait l'amour à cette chanson. Merci. Pour conclure, ma chère Lio. Eh bien, cette chanson qui accumule quand même les poncifs et les mots doux consensuels, tout d'un coup, elle la chante et je la crois. Moi, je veux qu'un homme me dise ça. Je veux y croire, je veux ça. Et elle me le donne, ça. Et je voudrais rappeler, tu venais d'avoir 18 ans et tu es belle comme un enfant, forte comme une femme. Elle a que 18 ans. Je trouve que pour charger les chansons comme ça, il faut avoir ou une très vieille âme ou un sacré vécu. Moi, tu m'as transportée tout au long de ces primes, Leïla. Je ne sais pas ce que ça va être, mais tu as fait des pas de géant à chaque fois, qui a été formidable tout au long de tous ces primes. Merci beaucoup. Oui, Leïla, dis-moi. Je voudrais juste dire quelque chose, parce que, quelle que soit l'issue de cette soirée, je ne sais pas si j'y penserai tout à l'heure, je voudrais simplement remercier... Je sais, c'est tous les gens qui travaillent à Baltar, les techniciens, Lionel, Laurent, Hassen, et tous les gens qui ont été ici, qui m'ont porté, et voilà, merci beaucoup à eux. C'est pas encore fait, hein. Si vous voulez voter pour elle, il faut voter le numéro 2 au 3660 ou 72-600. Alors, on est à quelques minutes du dénouement. Lequel des deux va l'emporter et changer carrément de vie, puisqu'il va dès ce soir signer son premier contrat dans une maison de disques. Ne laissez personne décider pour vous et profitez de ce résumé de leur toute